Alors aujourd'hui, on va tester le kit ici qu'on avait reçu dans la new box. Alors à l'intérieur, vous avez ceci, donc pour faire un petit décor après pour jouer. Et à l'intérieur, vous avez le mode d'emploi. Il est également ici. Vous aviez également ceci, donc les petites doses pour faire les bonbons. Une cuillère qui est emballée, qui était pliée, donc il fallait monter. Les sachets ici pour les bonbons. Et le moule ici pour fabriquer vos bonbons. Alors pour fabriquer les bonbons, il faut tout simplement couper un bout, on met la poudre qu'on veut à l'intérieur. Bon, après vous pouvez utiliser la petite cuillère, mais au final en faisant comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus pratique. Et on vient prendre la petite dose et on va venir donc mettre dans la poudre tout simplement. Donc voilà, les bonbons sont terminés, ils sont quand même un petit peu chiants, je pense qu'il faut remuer, je suis pas sûre, mais c'est jamais marqué derrière, enfin, c'est pas marqué qu'il faut remuer, donc je ne sais pas s'il faut le faire ou pas. Voilà, mais en tout cas c'est hyper rigolo, hyper sympa à faire, et puis ça fait des petits ateliers aussi pour les enfants et tout ça. Donc bon, après on n'est pas habitué non plus à fabriquer nos bonbons, hein. c'est la deuxième fois, c'était un petit peu la cata, mais en tous les cas je trouve ça super sympa. Et puis au niveau du goût, c'est exactement le même goût que la dernière fois, donc c'est mangeable, mais c'est pas non plus, voilà. Par contre, je trouve que au niveau de la texture, c'est pas tout à fait pareil. C'est vachement plus gelé que bonbon. Donc voilà pour le kit Crassi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous fait de gros bisous, à bientôt.